Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Pays de l'Europois et vous êtes la résistance. Aujourd'hui, nous sommes avec André Bellon et nous allons parler de l'ennemi. André Bellon, alors, ancien président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de 1992 à 1993. Ancien député PS des Alpes de Haute-Provence de 1981 à 1993, ancien administrateur de l'INSEE, donc haut fonctionnaire, entre 1970 et 2008, polytechnicien, camarade de promotion d'Attali, président de l'association pour une constituante, on vous mettra le lien dans le titre en post-prod, et marseillais. Et le sujet
de cet entretien. Quel est l'ennemi? Quelle est sa vision de l'ennemi et de ses relais de pouvoir? Alors, le plan, première partie, présentation du citoyen André Bellon. Deuxième partie, l'ennemi. Alors, l'ennemi, à la fois en tant qu'oligarchie financière, et puis aussi au niveau idéologique. Deuxième partie de la seconde partie, l'exemple de la mondialisation sur les normes comptables, puisque le citoyen Bellon a été administrateur de l'INSEE. Il peut en témoigner. Troisième partie de la seconde partie, la dilution des responsabilités au niveau du capital et de la décision économique slash politique. Quatrième partie, la dilution des responsabilités au niveau de l'exécution. Et donc là, au niveau des hauts fonctionnaires, hein, on en parlera. Troisième partie, le combat pour régénérer les vertus personnelles. Il y en a cinq. Et puis la quatrième partie, l'appel à ses anciens camarades de promotion, à ses camarades polytechniciens, à rejoindre le combat du peuple pour sa souveraineté. Alors, on va tout de suite commencer par la première partie, présentation du citoyen André Bellon. Vous portez le gilet jaune aujourd'hui. Comment vous avez, quel est votre rapport avec les gilets jaunes, les ronds-points? Qu'est-ce que vous en pensez du mouvement des gilets jaunes au niveau, avec toute votre expérience politique, politicienne aussi? Comment vous voyez le surgissement des gilets jaunes et le rôle historique fondamental, la réintroduction du peuple, et quel débouché politique? Vous avez des choses à dire là-dessus? Oui, on aurait tous à en dire, hein, de toute façon. Mais moi, si, comme vous l'avez dit, donc j'ai mis le gilet jaune, c'est pour marquer l'importance de cet événement pour moi. Et c'est lié d'ailleurs au badge que j'ai mis, qui est le badge pour l'association pour une constituante, dans la mesure où je crois que les gilets jaunes sont intervenus à un moment particulier, où la question fondamentale, à savoir celle de la démocratie, de la souveraineté populaire, pour moi c'est la même chose, hein. La démocratie c'est la souveraineté populaire, à un moment où cette question semblait par certains, pour certains être tranchée. D'ailleurs c'est fini, il n'y avait plus besoin, on avait une démocratie sans peuple. Et soudain, ce mouvement des Gilets jaunes a fait réémerger le mot peuple. Alors je ne vais pas découper les gilets jaunes en fonction de tel ou tel événement. Aucun événement n'est complètement linéaire. L'élément fondamental pour moi, c'est le fait qu'ils réintroduisent le mot peuple. Et donc inévitablement la question de la souveraineté et de la démocratie. Et comme je pense qu'à ce moment-là se pose une autre question, c'est-à-dire celle du débouché politique. Parce qu'on ne peut pas rester sur un mouvement qui est purement un mouvement de révolte. Il faut qu'il y ait un débouché politique. Ce débouché politique, très naturellement, pour retrouver la souveraineté du peuple, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est inscrit théoriquement à l'article 3 de la Constitution, eh bien, il faut passer par la Constituante. Donc il y a un lien entre les deux choses. Voilà. Et je crois que c'est important de bien faire ce lien. Les Gilets jaunes ont été quelque part un souffle historique dans une période qui n'avait plus rien à dire, d'une certaine façon. Enfin, ils ont dit quelque chose, et ce quelque chose, maintenant, nous devons tous ensemble chercher sa traduction politique. Citoyen Bellon, vous avez fait partie du système à un haut niveau, puisque vous avez été président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française en 92 et 93. Vous avez été député PS des Alpes-de-Haute-Provence de 81 à 93. Vous avez aussi été haut fonctionnaire en tant qu'administrateur de l'INSEE entre 1970 et 2008.
L'ennemi, comment vous l'avez vu, comment vous le voyez, vous l'avez vu à l'époque, comment vous le voyez maintenant? Est-ce que votre perception de l'ennemi s'est affinée? Est-ce que des choses ont changé? Dites-nous tout. Beaucoup, mais... un parcours personnel, que ce soit un parcours politique ou autre... Mais... Essayez de porter un peu la voix, le micro ne fonctionne pas. C'est un classique. Un parcours personnel, quel qu'il soit, hein, c'est à la fois des certitudes, des contradictions, des ruptures, des recherches. Enfin, du moins sur toute personne qui veut assumer son rôle d'être humain. Alors, je sais bien qu'il y en a qui ne se posent jamais de questions pendant toute leur vie, mais enfin, je ne pense pas que ce soit la majorité. C'est vrai que au moment où je suis devenu député, il y avait une idée de construire un monde différent, et ça a donné la victoire de 1981. C'est vrai aussi que pour un certain nombre d'entre nous, et moi en particulier, ça a été petit à petit, je dirais, une déception, c'est même pas assez, c'est... une sidération devant le fait qu'il y avait de moins en moins de rapport entre ce qu'on avait imaginé et ce qui se faisait. C'est le tournant de la rigueur ? Alors, le tournant de la rigueur est un élément important, même fondamental d'ailleurs. Moi, j'ai déjà dit, et j'ai déjà écrit d'ailleurs, dans un de mes livres, Une nouvelle vassalité, que, en bonne logique, si nous étions réellement en démocratie, le président de la République qui avait été élu sur un programme, à partir du moment où il acceptait un programme différent, je dirais même contraire, aurait dû revenir devant les électeurs. Ça n'a pas été le cas. Bon, ou s'il avait eu un mandat impératif et révocatoire, il était en mandat représentatif. Par exemple. Mais rien de tout ça, il a considéré qu'il avait le pouvoir, il a fait autre chose. Et donc ça a commencé effectivement à faire réfléchir un certain nombre, dont moi bien sûr. Et c'est une réflexion qui évolue jusqu'au moment où ça aboutit à la rupture et où on passe, comme dirait l'autre, de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire on se pose les questions dans des termes complètement différents et ça aboutit, enfin pour moi en tout cas, en 93 à me présenter tout seul contre le Parti Socialiste sous l'étiquette gauche républicaine. Donc... c'est un parcours, oui, avec tout ce que ça a, de sérieux, de contradictoire, de recherche de soi-même en même temps que de recherche collective. Par rapport à l'épisode de 2005-2008, est-ce que c'est ça qui a été le point de bascule par rapport à la création de votre association ? Alors, le point de bascule, c'est... disons, reprenons, 93, donc je me présente comme je viens de vous dire. Ensuite, j'ai fait un peu de nomadisme associatif, dans des recherches, oui, toujours sur les mêmes thèmes, la démocratie, la souveraineté, le peuple, etc. Et puis est arrivé un événement que pour moi je trouve considérable, 2005. Le référendum sur le traité constitutionnel européen. D'ailleurs, je vais vous dire, je considère que dans les demi-siècles qui viennent de s'achever, il y a deux événements politiques considérables en France. Le référendum sur le traité constitutionnel européen et les Gilets jaunes. Et je pense que les deux choses sont liées, parce que dans les deux cas, il y a la question du peuple. Que s'est-il passé en 2005 ? À mon sens, pour moi qui ai fait la campagne du non, je pense que ça a été le mouvement populaire le plus important depuis la libération. Il y avait un monde pas possible. Bon, pour la petite histoire, je me rappelle avoir fait une réunion publique à Limoges, il y avait 1% de la population, c'est énorme. Les réunions publiques, c'est énorme. Moi, je n'étais pas le seul à parler, hein, mais... bon, et à la suite de cet événement qui a dit clairement non au traité constitutionnel européen, il y a eu ce qu'il faut bien appeler un coup d'État, c'est-à-dire le fait que le président de la République, Sarkozy, a bafoué la volonté populaire
en faisant passer un traité qui reprenait en gros ce que disait le traité constitutionnel européen. Et on a appelé ça le traité de Lisbonne. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors, à la suite de cet événement, bon, il y avait plusieurs possibilités, hein, il y avait des gens qui disaient, il nous faut, parce que c'était après la suite du traité constitutionnel, il y a eu la présidentielle, la présidentielle de 2007. Les gens qui nous disaient, il faut à la présidentielle un candidat du nom de gauche. Bon, il y avait des gens pour un candidat du nom de droite, évidemment. Bon. Nous, nous avons, quand je dis nous, c'est, disons, les quelques-uns qui ont fondé l'Association pour une constituante. Il nous a semblé que c'était une question mal posée. Dans la mesure où il n'y avait pas un nom de gauche ou un nom de droite, il y avait un nom du peuple français, dans son intégralité. Et qu'il n'y avait pas de raison de les séparer, du moins à ce moment-là, sur ce terrain-là. Et que donc, il fallait trouver la manière de maintenir cette unité. Il aurait pu y avoir des slogans tels que démission du président de la République, comme avait fait De Gaulle en 69, hein, il a perdu au référendum, bon, ben, il s'en va. Il aurait pu y avoir dissolution de l'Assemblée nationale, après tout, il y avait 92% des députés qui étaient pour le oui. On peut dire qu'il y avait un problème de représentativité quand même. Bon. Non, 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 il nous faut un candidat à la présidentielle. Et donc nous avons pensé qu'il n'y avait pas possibilité de raisonner dans le cadre du système tel qu'il était, et que donc la solution c'était d'en sortir, et pour en sortir, bien, il fallait repasser par la case peuple, et ça s'appelle historiquement une constituante. Dans l'histoire de France, il y en a eu six, ça en aurait fait sept. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette association qui, donc maintenant, a 13 ou 14 ans. Le système actuel est l'ennemi du peuple. Alors, le système actuel prétend représenter le peuple, c'est d'ailleurs marqué encore une fois dans nos institutions, hein, la Constitution, article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà, ça c'est clair. Souveraineté, nation, peuple. Et pas à Big Pharma, aux oligarques, à ceux qui impriment Au l'argent, peuple. etc. Le souverain, c'est le peuple. Voilà. C'est clair. Et alors je pourrais, mais je ne pense pas qu'on aura le temps, vous rappeler comment, par exemple, pendant la Révolution française, cette notion est arrivée. À un moment, le souverain, c'était le roi. Là, le souverain devient le peuple. Alors, au travers, enfin, on en parlera une autre fois peut-être, mais ce serait peut-être un peu long. Serment du jeu de pommes, la constitution de l'Assemblée nationale, etc., etc. Une invitation pour un Voilà. autre live, super. Mais l'idée, c'est bien, nous devons avoir la souveraineté du peuple. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans peuple. Or, nous sommes dans une crise à la fois, et c'est pour ça que j'insiste, à la fois institutionnelle et idéologique, puisqu'aussi bien le peuple, qui est donc théoriquement le souverain, non seulement est de moins en moins écouté, et les institutions font en sorte qu'il ne le soit pas, mais de plus, toute une construction idéologique est faite pour que le peuple se soit considéré comme un concept péjoratif. Le peuple, c'est vilain, c'est pas beau, ça pense mal. Populisme. Populisme. Bon. Et vous avez un certain nombre de théoriciens, comme Rosanvallon, par exemple, qui passent leur temps à faire des livres pour dire le peuple, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça existe. Encore faut-il, un, qu'il en ait conscience, deux, que la situation le lui permette. Voilà. Et donc, il y a les deux problèmes en même temps. Que ça le lui permette, ben, c'est l'aspect institutionnel, et qu'il en ait conscience, c'est l'aspect idéologique. C'est-à-dire qu'il combatte toute cette tentative de le nier. Et qui n'accepte pas d'être nié lui-même, ce qui est absurde. Ben les gilets jaunes, c'est ça. Et les gilets jaunes, c'est ça. On Tout à fait. s'est levé pour des Je l'ai dit choses. d'ailleurs tout à l'heure, c'est la réintroduction du mot peuple en tant que souverain. Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on s'est retrouvé en opposition à un système qui essaye de nous nier. Absolument. Là, il essaye de nous faire, de nous tester comme des rats de laboratoire. Ça, c'est autre chose. On ne va pas revenir là-dessus, mais il essaie de nous nier.
Alors, et puis, il fait passer ça sous, c'est le progrès, c'est l'évolution naturelle, on n'y peut rien, résignez-vous. Alors, il y a tout cet aspect, c'est le progrès, ce que vous voulez, ça c'est des vieilles lunes qui datent du XVIIIe siècle, mais on n'en est plus là, bon. Et puis, il y a aussi tout un discours que j'appellerais scientiste, hein, c'est-à-dire les contraintes du monde actuel font qu'on ne peut plus passer par le peuple, hein. Face aux questions climatiques, on ne peut pas passer par le peuple. Face aux questions économiques, on ne peut pas. Face à la santé, on ne peut pas, etc., etc., etc. Donc on passe par des experts rémunérés. Des experts qui remplacent. Et avec cette subtilité, mais ceci serait peut-être un débat une autre fois, mais on va quand même l'évoquer. Avec cette subtilité qui consiste à dire les experts, oui, mais dans une assemblée tirée au sort qu'ils contrôlent. La démocratie, c'est tout citoyen participe et donc suffrage universel. Mais prend ses responsabilités. Le suffrage universel n'est pas, ne veut pas dire utiliser le système comme il est. C'est pas parce qu'on dévoie le suffrage universel que par nature il est mauvais. Mais c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités politiques personnelles et de passer du consommateur dépressif et isolé au citoyen qui va faire partie, prendre décision et acter pour le bien commun, la justice et la dignité de tous. Ce qui veut dire qu'on refuse de continuer sur les contraintes imposées et qu'on a intégrées dans nos propres esprits, hein, ce qu'on appelle, la servitude volontaire. On y reviendra, c'est la quatrième partie. Là, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple comment la mondialisation au bénéfice de la City, de Wall Street, etc., se sont infiltrés au niveau des normes comptables. Alors, c'est un peu pointu, c'est pour nos amis qui sont en comptabilité, mais là, ça, c'est quand même très révélateur. Il est certain que le tournant, là, le tournant, ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur en 83, que certains, si vous vous souvenez, appelaient la parenthèse de la rigueur. Soit dit en passant, on a ouvert la parenthèse, pour l'instant, on ne l'a jamais fermée. Ce tournant, c'est un tournant, non seulement, on pourrait dire c'est une politique temporaire, c'est une situation difficile, non, c'est un tournant idéologique majeur. On a remplacé tous les concepts, et en particulier l'économie est purement perçue au niveau des questions financières, ce qui n'était pas obligatoirement le cas toujours avant. Bon, mais là, c'est purement au niveau des critères financiers. Alors, l'exemple des normes comptables n'est pas inintéressant parce que les normes comptables, c'est une traduction idéologique d'une situation économique. On peut les traduire. Les chiffres, ce n'est pas innocent. Il y a bien des gens qui décident comment on les fait, comment on les interprète et comment on les utilise. Une norme comptable, c'est quoi? C'est un système de comptabilité qui est censé retranscrire l'activité des entreprises et sur lesquelles on se fonde, évidemment, pour prendre des décisions économiques. Jusqu'à une date assez récente, mettons 20 ans, pour faire bref. Bon. Les normes comptables n'étaient très différentes entre les États. En France, elles étaient faites pour le fisc. Ne montez pas à l'arbre tout de suite parce qu'on parle d'impôts, ça voulait dire que c'est quelque part lié à la manière dont on conçoit les finances publiques. Pour ceux qui ne connaissent pas par cœur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a trois articles, les 13, 14 et 15, qui sont des articles de finances publiques dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il y a celui du consentement à l'impôt, de la manière dont on fait l'impôt et le contrôle des fonctionnaires, justement, enfin des agents publics. Et des attributions de l'impôt. Et des attributions. Oui, mais ça, c'est le contrôle de l'utilisation de l'impôt. Bon. Donc, il est assez normal que les normes comptables soient liées, justement, aux finances publiques. Or, à partir des dates dont je parle, on remplace les normes françaises, les normes allemandes aussi, qui étaient liées au système de cogestion,
On les remplace par un système totalement anglo-saxon, hein, qui s'appelle le système, enfin du moins pour les très grandes entreprises. Enfin, ça fait quand même une masse parce que leur succursale et tout. On les remplace par un système qu'on appelle IASB. Et bon, je ne vais pas vous le développer, on y est encore demain, et puis ça serait d'une technique parfois un peu pénible, y compris pour moi d'ailleurs. Mais en particulier, il y a un truc qu'on appelle la fair value, un terme anglais. La fair value, ça consiste à changer le système de comptabilisation des actions possédées par les entreprises. Les entreprises, en dehors de leur activité de production et d'échange, ont des actions. Bon, ces actions, dans le système français jusque-là, étaient comptabilisées au prix d'achat. C'est ce qu'on appelle le principe de prudence. Elles peuvent monter sur le marché, mais on reste prudent puisqu'on ne les a pas vendues. Alors, si on les a vendues, bien entendu, on prend le produit et puis on le comptabilise en ressources. Mais au prix d'achat, non. Au prix d'achat initial. Avec la fair value, on comptabilise les actions au prix du marché. Donc, si le marché monte, on a donc une ressource, mais qui ne correspond à aucun produit réel. C'est fictif. Si on les vendait, on aurait ce produit. Oui, mais si on ne les vend pas... Bon. Et donc, il y a un bénéfice qui est un bénéfice fictif, mais qui peut être réparti entre les actionnaires. Alors, tant que la bourse monte, ça va. Et si elle plonge? On a distribué des bénéfices fictifs, et donc l'entreprise se retrouve en déficit du fait même de la comptabilité. Et ça peut créer des difficultés, voire du chômage. Parce que là, la solution pour l'entreprise, c'est après dégraisser. Ah ben, si le marché, le marché boursier plonge, elle va se trouver confrontée à des difficultés réelles. Mais alors, cette volonté de passer sur ces normes comptables américaines. Disons anglo-saxonnes. Ouais, ouais, avec la City. Vous avez été administrateur de l'INSEE. Comment vos collègues hauts fonctionnaires ont réagi? Comment les politiques ont réagi? Est-ce qu'ils ont compris? Alors, est-ce que l'INSEE, ailleurs, je ne vous parlerai pas pour le Trésor, qui ne me semblait pas hostile à ce genre d'évolution, mais pour l'INSEE, c'est un débat interne. Il y avait un certain nombre de responsables qui étaient très hostiles à ça. Sauf que ce n'est pas eux qui ont décidé. En l'occurrence, ce genre de décision ne passe pas par les représentants du peuple. Elle passe par, par les services, et en tant que tel. Il n'y a pas de contrôle populaire là-dessus. Et il faudrait qu'il y ait un contrôle populaire, oui, évidemment. Monsieur. C'est fondamental. Une décision aussi fondamentale, il faudrait voir de mieux, oui. Non pas, je ne veux pas dire qu'il faut un contrôle populaire tous les jours sur la moindre queue de cerise. Mais entre la moindre queue de cerise et une décision aussi importante, il y a une marge. Et c'est complètement passé sous les radars et ça a été fondamental après. Ah, pour moi, c'est fondamental. Oui. Et on le voit avec tous les licenciements, toutes les vies brisées, etc., qui ont découlé de ce simple basculement de normes nationales à normes internationales. Alors, je vous signale que c'est en théorie. Ce genre d'évolution s'est situé à un moment où il y a eu une crise fondamentale, en particulier la crise de Enron, si vous vous souvenez, ou de Parmalat, des très grosses entreprises qui ont fait faillite sans qu'on sache réellement pourquoi. Il y a même eu à un moment un problème entre Enron et une société de contrôle, parce que théoriquement il y a une société de contrôle, mais ce n'est pas l'État là, pour le coup. C'est les sociétés privées. C'était Andersen, autant que je me rappelle, qui du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait truandage sur le contrôle. Andersen Consulting. Oui. Alors, merci de ce retour du terrain, parce que vous avez été administrateur de l'INSEE, donc vous aviez les mains dans le cambouis. Là, on va passer à la partie la dilution des responsabilités par rapport au capital, par rapport aux décisions. C'est la faute à personne, c'est la main invisible du marché. Et il y a un film, vous vouliez citer un film, le film qui s'appelle Louise Michel. Oui, je l'ai vu. Avec Yolande Moreau. Alors, rapidement, le pitch, c'est une usine dans le Nord, c'est ça. Textile, qui ferme. Oui.
On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et la Yolande Moreau, qui est une employée, une espèce de réunion Avec les collègues. des salariés, quoi, bon, l'Assemblée générale. Ils ont piqué toutes les machines. Bon, ils ont pillé tout. Et elle dit, ben, y a une solution. On va aller tuer le patron. Alors c'est un film, hein. C'est un Oui, film. Bon. non, ça ne me paraît pas l'idée du siècle, personnellement. Mais ce qu'il y a de marrant, enfin marrant, au sens provençal du terme, quand on dit marrant, ça veut dire curieux. Ce qu'il y a de curieux, c'est que cette idée-là, pourquoi elle émerge dans le film? Non pas parce qu'ils vont tuer quelqu'un, ils ne tuent jamais personne, heureusement d'ailleurs, mais parce qu'ils ne trouvent jamais qui il faut tuer. Alors, il se retrouve à chercher les responsables, Oui. il se retrouve à Jersey, Voilà. et puis c'est jamais les bons responsables. C'est jamais. Chacun qui s'identifie, il dit, mais c'est pas moi, c'est l'autre là-bas. Donc, c'est les actionnaires de BlackRock, mais qui sont les actionnaires de BlackRock? C'est les actionnariats croisés. C'est très difficile, et en fait, c'est la force aussi de ce système qu'on affronte, ce système oligarchique, de domination oligarchique, cette dilution des responsabilités. C'est la non-identification des responsabilités. Ouais. Et donc, d'une certaine façon, le contrôle des citoyens est encore plus difficile, puisqu'on ne sait pas qui et qui et qui fait quoi. Et qui est responsable de Qui est telle. responsable? Qui est responsable? Alors là, on pose des problématiques. L'autre partie, c'est la dilution des responsabilités au niveau de l'exécution. Et c'était le film I comme Icare, avec Yves Montand. Oui, je l'ai Où, vu aussi. alors, oui, à un moment, ils font une expérience, l'expérience de 1000 grammes, et ils s'étonnent, finalement, de la réaction. Des gens qui participent à cette réaction, à cette expérimentation. Et Yves Montand dit, mais comment c'est possible qu'un dictateur arrive à tuer des millions de personnes? Et c'est la faute à personne. C'est un peu comme pour l'actionnariat et puis la finance, c'est la faute à personne. Chacun a sa toute petite responsabilité, mais ne se sent pas concerné par le grand tout. Donc un va dénoncer à la police. L'autre va conduire les gars à la prison, les autres dans un camp, les autres appuient sur la gâchette, mais personne n'est responsable en fait. Vous vous souvenez de cette scène quand on fait cette expérience? Yves Montand est là, il ne sait pas que c'est une expérience et que c'est un acteur qui souffre quand on lui envoie des courants électriques. Et à un moment, il dit, mais c'est pas possible, il faut arrêter, etc. Et le type qui mène l'expérience lui dit, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour dire qu'il fallait arrêter? C'est la soumission à l'autorité et au stress. Et c'est peut-être lié au fait qu'on subit un terrorisme médiatique permanent, là, avec le Covid, avec des bandeaux, etc. Alors qu'il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de dengue. Aux Antilles, il n'y a plus d'épidémie de dengue. Hein. Chaque année, sauf là. En hiver, il n'y a plus de grippe. C'est Covid, Covid, Oui, de moins en moins de gastro, oui. Covid. On est dans un. On est soumis au stress via ces médias. Oligarchique, ces médias de masse, et c'est la soumission à l'autorité. Au niveau des hauts fonctionnaires, la soumission à l'autorité, et ou au stress, alors peut-être pas le stress, mais en tout cas la soumission à l'autorité, quel est votre retour? Alors, ça c'est une question assez compliquée, parce que si c'est la soumission à l'autorité, au sens du chef, je pense qu'elle n'est pas complètement totale, ni chez les gens, ni dans les moments. Non. Il y a toujours des réactions, et il y a des gens qui d'ailleurs demandent à être mutés ou qu'on mute, parce que justement, ils refusent l'autorité du supérieur. Ce qui est plus inquiétant, c'est la soumission à une espèce de pensée générale qui fait qu'on ne se pose plus de questions. C'est comme ça. C'est comme ça. La pensée unique. Bon, oui, on peut appeler ça comme ça. Bon, une idéologie dominante. Et là, je reviens sur les gilets jaunes, justement. S'ils ont réintroduit le peuple, c'est qu'ils ont réintroduit l'idée que cette pensée pouvait être contestée. Et que quelque part, il n'était pas indispensable de dire il y a une seule solution, il n'y a pas d'esprit critique. Non, il y en a. Faut simplement trouver les autres solutions. Et ce qui est de frappant dans le monde actuel, c'est que
la pensée totalitaire, pour faire bref, c'est-à-dire unique, marche parce qu'il n'y a plus le peuple. S'il y a le peuple, il y a contestation, donc il y a débat, donc il y a remise en cause. Et c'est une erreur de dire que cette remise en cause est inévitablement violente. Pas du tout. Moi, personnellement, je pense que la constituante, c'est la solution pacifique, démocratique et rassembleuse, c'est-à-dire hors violence. Mais il y a violence parce que justement il n'y a pas capacité de contestation. La démocratie est une manière de résoudre les problèmes. La vraie démocratie. La vraie démocratie, bien entendu. Pas la démocrassouille qui nous vend. Bon, c'est pour ça que notre mot d'ordre pour la prochaine présidentielle, c'est la présidentielle n'est pas la solution, elle est le problème. Parce qu'elle ne permet pas de mettre ces débats sur la table. C'est cautionner le système que de jouer à ces jeux ? Il n'y a pas de solution de débat dans la présidentielle telle qu'elle est. C'est uniquement un problème de personnes qui en plus sont sélectionnées par des méthodes que vous connaissez. Plus la pression médiatique. Plus la pression médiatique, plus les problèmes financiers, plus les signatures, plus etc., etc., etc. Et comme tout le système repose sur le président de la République, d'une certaine façon, il n'y a plus de débat à aucun endroit. Éventuellement un peu dans les communes. Ça dépend lesquelles, ça dépend de leur taille. Il y a encore un débat communal qui mériterait inventaire. Il y a le statut du maire qui devrait être à rediscuter. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses. Mais il y a quand même un débat. Voilà. Il reste que ce débat, le vrai débat, n'existe plus. C'est-à-dire on peut débattre sur des problèmes accessoires, hein, comment agrémenter la place de la mairie, ou faut-il avoir un peu plus de couleurs sur l'espace public, mais ou végétaliser les rues de Paris, bon, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de débat sur les problèmes fondamentaux. Ils ne veulent pas qu'il y ait des débats sur les problèmes. C'est fait pour ça. Le serpent qui se mord la queue. Donc là, on va passer à la troisième partie. C'est extrêmement intéressant. On aimerait développer, mais c'est un live, donc ça sera l'occasion d'autres lives. Le combat pour régénérer les vertus personnelles. Ces vertus personnelles, on cherchait l'ennemi, on parle de l'ennemi. Il y a aussi, je cherchais l'ennemi et je l'ai vu dans le miroir. Parce que les vertus personnelles qui font les valeurs des collectifs et puis du collectif des collectifs, c'est la nation. Ils nous ont poussé à l'individualisme, ils nous ont poussé au matérialisme, ils nous ont poussé au consumérisme, ils nous ont poussé à la léthargie, etc. Et à dire on fait confiance aux politiques, c'est trop compliqué, et puis finalement être un bon citoyen, c'est mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. C'est pas ça. Le sens de l'humain, par la citation de Terence. Oui, Terence, c'est un poète latin qui disait « Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » C'est-à-dire il se situe en tant qu'individu qui a sa particularité, qui vit, mais qui se réfère à tous les autres. Et c'est parce qu'il se réfère à tous les autres qu'il est humain. C'est ça l'humanisme d'ailleurs. Et on voit, là, on a une démonstration flagrante de la tartufferie des artistes subventionnés qui s'emballent pour des causes très lointaines, mais qui sont absents, à part 2-3 exceptions. Il y en a quelques-uns, oui. Mais la majorité des artistes... C'est pas Alain Souchon qui... Calogero. Mais la majorité des artistes ne sont pas là. La majorité du monde académique, des intellectuels, ils ne sont pas là. Ils ne sont simplement pas là. Alors, ils ont peur de perdre leur place, etc. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Perdre sa place ou perdre son âme ? Je ne suis pas sûr qu'ils ont... Je crois qu'ils sont rentrés dans le moule. Ils ne se posent pas de questions. Donc ça, c'est l'idéologie dominante qui les... Après, on tombe sur des combats qui, non seulement, ne sont pas le combat essentiel, mais émiettent la société... Hein, comme les décoloniaux ou des choses comme ça.
sont, à mon avis, une perversion de la pensée. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France qu'il y a ce genre de problème, mais il vaudrait mieux que ça s'arrête assez vite. On va passer à la citation de Sénèque. Quand tu auras désappris. Quand tu auras désappris à espérer, tu apprendras à vouloir. Alors, c'est intéressant l'opposition entre le fait d'espérer et le fait de vouloir. C'est quoi ces deux positions ? Espérer, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, quoi. On accepte le système tel qu'il est, on espère que ça va s'arranger. Alors tout le monde sait que ça ne va pas. C'est un peu le discours qu'on a tenu sur tous les changements. Bon. Que ce soit justement la parenthèse de la rigueur, qui n'est pas une parenthèse, que ce soit les changements à l'Union européenne, vous en faites pas, mais après ça va aller mieux. Sauf que ça ne va jamais mieux. Non. Où est le vouloir ? Qui est le décideur ? Ça, c'est, je dirais, c'est une définition du citoyen. Le citoyen, il n'est pas là pour espérer. Enfin, si, il peut espérer, bien sûr, mais il est là pour, comme acteur, et pas comme spectateur qui espère que ça ira mieux. Donc, il veut. Et il passe à l'action. Il accepte d'être acteur. Ce qui veut dire qu'il accepte de ne pas se soumettre à tout le discours officiel. Et là, l'échelon où c'est le plus facilement atteignable, c'est l'échelon municipal. Alors, nous disons que, dans notre association, que la constituante, c'est la recréation du citoyen et du peuple. Que cette recréation, nous avons pris la constituante comme aboutissement, c'est un symbole en fait, hein, la constituante. Bon. Mais... il faut que ça parte de l'endroit le plus local, parce que les gens se connaissent, parce que le débat peut avoir lieu, parce que les contradictions s'y expriment de manière visible, etc. Et nous disons que ça doit s'harmoniser avec les cahiers d'exigence. Bon, on a remplacé doléance par exigence parce qu'il y a un côté un peu archaïque dans le mot doléance. Hein, le dol, bon, c'est une manière de faire reconnaître sa souffrance au roi, hein, avant, sous l'Ancien Régime. Donc, c'est bin au niveau le plus fin, que les citoyens s'expriment, expriment leurs difficultés, les font connaître, en débattent entre eux, et puis, quelque part, créent la constituante par le rassemblement de tous ces mouvements. Par la base. Et que ça ne doit pas être imposé par le haut. Ah mais non. Le pire pour une constituante serait de faire une élection au suffrage universel à la proportionnelle dans le cadre actuel. Là, vous allez retrouver les partis tels qu'ils sont. C'est évident. Les gamelleurs professionnels. Oui. Ça, je ne veux pas dire que dans l'absolu, la proportionnelle, pourquoi pas, mais pas dans ce cadre-là. Voilà. On passe à la Boétie. Oui. Le combat contre l'aliénation. Il appelait ça la servitude volontaire. Hein. C'est un bouquin qui est revenu un peu à la mode, heureusement, ça prouve que quand même on se pose des questions. Hein. C'est un bouquin fondamental, oui. C'est quelqu'un qui dit, si vous voulez exister, il faut arrêter de vous soumettre volontairement parce que ça vous évite de réfléchir. Ça rejoint Sénèque, quelque part. Hein. C'est un peu la même idée, mais exprimée différemment. Et maintenant, on a la télé, hein. On a Hanouna pour... Oh, la télé, pour rester dans les références, c'est comme la langue des op, hein. C'est la meilleure et la pire des choses. On va passer maintenant à Cyrano de Bergerac, le panache. Ah ouais, j'aime beaucoup Cyrano. C'est une pièce extraordinaire. C'est sans doute un des plus grands succès du registre français. Hein. Je ne sais pas combien de fois elle a été jouée, mais aucune pièce n'a été jouée autant. Ce qui me frappe, c'est que... Alors j'ai gardé les dates par cœur dans ma tête. La première a eu lieu le 28 décembre 1898. Et il y a eu, chose qui n'est jamais arrivée une autre fois, il y a eu non seulement 40 rappels, mais on a laissé le rideau ouvert parce qu'on en avait marre de le baisser et le relever tout le temps. Quoi. Un enthousiasme fou, les acteurs portés en triomphe dans les rues de Paris. La France... Dans Cyrano,
retrouver à la fois son âme, son passé, sa manière d'être. Voilà, Cyrano, le panache. Hein, c'est d'ailleurs le dernier mot de la pièce. Qu'est-ce que j'emporte avec moi, malgré tout, mon panache. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien, mais ça, j'en suis pas. Évidemment, je ne le prouverai pas. Et le fait qu'on était en pleine affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il y avait un côté pas clair, une espèce de mélange de pensées, d'opposition, de contradiction, enfin vous connaissez l'affaire comme moi, quoi. C'était en plein milieu. Hein. Zola fait J'accuse, même pas un mois après. C'est très français, c'est le panache. Et c'est une qualité qui, malheureusement, s'est un peu estompée de nos jours et qui mériterait d'être retrouvée. Voilà. Et la dernière partie, le héros grec. Ah oui. Oui, parce que nous avons parlé tout à l'heure de Léonidas, bon, au Thermopyles. Je pense que... Moi, j'aurais voulu être historien pour la petite histoire. Donc, je suis un peu historien amateur. Je suis frappé, et ça rejoint le panache, ça rejoint les phrases dont on vient de parler, je suis frappé par l'importance de l'individu dans la reconstruction du collectif. Ça ne veut pas dire que l'individu s'oppose au collectif. Au contraire, il y participe. Et quelque part, bon, puisqu'on reprenait l'exemple de Léonidas au Thermopyles, hein, bon, c'est-à-dire que ils se sont tous fait massacrer. Il n'empêche que c'est ça qui a créé la conscience des Grecs pour gagner la bataille suivante. Ce symbole a une valeur collective. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, la force de l'individu n'est absolument pas contraire à l'intérêt collectif, et l'intérêt collectif ne nie pas du tout l'individu. C'est la conjugaison des deux qui crée une histoire et qui crée un peuple. Et donc là, au niveau des gilets jaunes, et tous les sacrifices des collègues, les yeux, les gazages, les nassages, les emprisonnements, les amendes, les... Bref. Ce qui m'a frappé, c'est que face à un mouvement que j'interprète comme une volonté de recréation, oui, du peuple, en tout cas de réaffirmation de son identité, de sa force, et puis de son rôle institutionnel en démocratie, tout simplement, au lieu de rechercher ce que ça signifiait, de voir comment ça pouvait s'intégrer face à des défis mondiaux, ça a été la répression. Et pour ça, je dirais, on a oublié une chose fondamentale, c'est que le peuple, pour moi, c'est une éthique, la démocratie. C'est une éthique, c'est une manière de gérer pacifiquement les conflits, et ça a d'ailleurs été historiquement créé pour ça. Quand Clisthène, chez les Grecs, crée la démocratie, c'est parce qu'ils passaient leur temps à se taper dessus, il leur dit, au lieu de vous taper dessus, on vote, puis comme ça, vous aurez une manière de sortir des conflits. Bon. Donc, c'est une éthique, mais c'est pas seulement une éthique. C'est face à des problèmes fondamentaux qu'on nous raconte tous les jours. Les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes géopolitiques, les problèmes climatiques, les problèmes sanitaires, etc., etc., etc. La bonne manière de résoudre ces problèmes, c'est justement de demander au peuple son avis et de créer le débat de tous sur ces questions. Pas avec trois experts, hein, qui discutent avec des gens choisis par hasard, non. C'est de créer le débat dans l'ensemble du corps politique, qu'on appelle le peuple. L'intelligence collective ? L'intelligence collective. On va passer à la quatrième partie, l'appel à vos anciens camarades de Polytechnique. Ne plus espérer, vouloir, se libérer, passer à l'action. Que faire ? Un précédent historique, 1830. Polytechnique est une
C'est une école assez étonnante dans son histoire. Moi, je ne sais pas, honnêtement, je suis incapable d'en faire le bilan aujourd'hui parce que c'est loin, parce que c'est vrai que je n'ai pas gardé des contacts particuliers. J'ai moins l'esprit anti-ancien combattant que d'autres, bon, c'est comme ça. Mais j'en connais la force historique. Les grandes écoles scientifiques ont été créées par la Révolution. L'ENA, c'est autre chose. Elle est créée en 45, en 1945, c'est bien après, c'est deux siècles après. Bon. Les grandes écoles scientifiques, il y a tout un système, ont été créées par la Convention, sous la Première République. Polytechnique a été créée par un mathématicien qui s'appelle Monge, et pas par Napoléon, contrairement à ce qu'on raconte. Il lui a donné son nom, mais elle existait avant. Et c'est destiné à être les éléments qui permettent au peuple de résoudre des problèmes techniques. Mais ça ne veut pas dire être les chefs. Ça apporte une expertise, ça apporte des compétences. Et de ce point de vue, oui, c'est vrai qu'il y a un symbole assez extraordinaire qui est la Révolution de 1830, hein, quand le peuple de Paris se soulève pour renverser Charles X. La promotion de polytechnique envoie dans les quartiers des polytechniciens qui servent à encadrer militairement le mouvement. Il en reste d'ailleurs quelque chose à Paris, pas très loin d'ici, qui est la rue Vaneau ou la station Vaneau, puisque Vaneau était un polytechnicien de cette promotion-là qui est mort dans l'assaut de la caserne de Babylone. Voilà. Donc, ils sont venus pour encadrer militairement, pas pour être les chefs. Pour aider. Bon, on connaît la suite. Soit dit en passant, Alexandre Dumas, dont je suis un admirateur farouche, a lui aussi participé à ce mouvement. Mais ceci est un autre débat. Et je crois qu'il n'est pas question de penser que cette école, comme d'autres d'ailleurs, est l'alpha et l'oméga de la pensée et de la solution. Il est question de dire il faut retrouver le sens de ce rapport au peuple et à la nation. Parce que c'est l'intérêt collectif pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Ils ne se résoudront pas uniquement par le biais de la classe dirigeante telle qu'elle est. Ça, ce n'est pas possible. Là, c'est la soumission. Donc un appel à vos camarades de Polytechnique, ne vous excluez pas du peuple, rejoignez le peuple, vous en faites partie. Oui, bien sûr. Ils en font partie, ça va de soi. Et donc, par définition, en en faisant partie, ils ont donc à participer à sa vie, à sa reconstruction, à son avenir, qui est celui du pays. Pas seulement sur Paris, mais où est-ce qu'ils sont en France? Oui, bien sûr. Qu'ils prennent contact avec des gilets jaunes, qu'ils aillent sur les ronds-points, qu'ils aillent dans les manifs. Alors, je crois qu'il y en a eu d'ailleurs quelques-uns, pas des masses, mais je crois qu'il y en a eu. Bon. Il faut toujours des précurseurs. Oui. Vive la souveraineté du peuple instruit, des questions juridiques, politiques et économiques. La souveraineté, c'est vrai qu'on dit toujours le peuple, c'est d'ailleurs une des grandes idées de la Troisième République, c'est le lien entre le peuple et l'éducation. C'est les lois sur l'éducation, et puis c'est l'éducation populaire aussi, donc tout ça va de pair. Il ne s'agit pas de dire que spontanément n'importe qui peut faire n'importe quoi, ça c'est absurde. Mais il faut faire un lien entre la recherche de la souveraineté collective et l'éducation. C'est-à-dire la promotion de l'individu dans la promotion du collectif politique. Citoyen Bellon, merci, force et honneur. On ne lâche rien. À très bientôt les amis.